Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, hein, nous c'est jeudi 11 avril 2024. Bienvenue dans la quatrième édition Journal Créole nous a présenté au Pazan Miou, Jerry Cheristal en collaboration avec VOA Créole. Actualité hein, sous plan national, installation conseil présidentiel. Transition hein, toujours non impasse pendant condition la vie population haïtienne nan, a dégradé chaque jour bon Dieu mette. Et un pays États-Unis premier ministre japonais Fumio Kishida prend la parole devant Congrès américain dans cadre sommet trois pays États-Unis Japon et Philippines en présence Ferdinand Marcos Jr. Dans Moyen-Orient guerre Israélo-Hamas la leader suprême Hamas la Ismaïl annulé dit proposition Israël pour yon cessez-le-feu pas répondre à aucune condition Hamas. Non toujours dans pays États-Unis ancien footballeur américain O.J. Simpson c'est Paul Carré mouri à l'âge de 76 ans à yon cancer. C'est tout point ça yo à divers slots. Nous va gagner pour nous développer pour vous. Dans journal ça rete connecté avec nous dans yon poussière. Titan n'a retourné pour détail. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal Silla. Installation conseil présidentiel là, toujours dans l'impasse jusqu'à présent. Après, si monsieur examen et vivant sans mieux, toujours mettre le premier ministre Ariel Henry en quarantaine et mettre en position pour être capable d'entrer dans le pays. Et bien, conseil présidentiel qui demandait pour que. Et il est capable d'installer dans un temps qui n'est pas trop loin, ensemble avec M. CARICOM. Après conseil, ça lui-même, il finit préparé pour qu'il soit capable d'installer et jusqu'à présent, avec une série de propositions qui gagnent, qui sont de bon côté, et qui pendent encore 21 décembre, le conseil, ça lui pour capable d'arriver à installer, malgré plusieurs monde qui trouvent en dedans conseil là, dans le président, il a déclaré, il est beaucoup clair pour qu'il soit capable d'entrer dans le palais national. À cause de divers coups de balle qui a chanté sous chaîne masse là et même presque arrivé dans le palais national là, avec un forum jeudi en amis internautes sous crise en Haïti dans pays États-Unis et bien divers panélistes t'a parlé comme quoi que tu as supposé installer conseil ça une façon pour population haïtienne capable de sortir dans tracas qu'elle même lié dans moment n'a vivant kounya là. De l'autre côté, gagné amis internautes même violence gang ça yo qui baille gros problème dans pays d'Haïti et bien gagné produit alimentaire gain produit alimentaire mondial qui c'est PAM lui-même qui t'a montré comment que violence ça li ba mette gros problème qui fait que l'école pas capable ouvrir éducation pas capable faire dans pays a et l'hôpital pas capable ouvrir et ensuite à cause de problème violence gang ça yo qui cause que manger en pile ti moun pas capable arriver jeune manger dans sens ça gagné même produit alimentaire PAM ça même produit alimentaire mondial là et ben déclaré amis internautes de janvier ou de sorti 29 février à nos jours et eh bien en pile ti moun trouvé dans difficulté pour que eux-mêmes yo capable trouver mosso manger pour que eux-mêmes yo capable manger yo même bon côté pa yo fait tout ça qui dépend de yo sorti de 20 à 30 000 repas par jour que eux-mêmes yo créé moyen pour capable aider population haïtienne. Gagné bon côté RNDDH lui-même qui dressé un rapport de quantité moun zami internautes qui t'est arrivé victime de tout ça qui gagné petit dans le mois de janvier et pour arriver jusqu'à présent dans le moment où on a parlé là et nous voulons parler directement tout et surtout dans ça qui gagne ah ouais ensemble avec violence qui gagne et depuis mois de février li commencé dans ça gagne RNDDH de Pierre Espérance qui fait sortir un rapport de janvier à mars 2024 et bien exact violence yo même yo vraiment marcher ensemble avec gang améyo qui touye yon latrie moun mais parmi moun qui mouri gagné au moins 208 moun qui trouvé la mort yo et bien gagné
environ 13 policiers, gagné 158 moun qui blessé par balle. C'est ça que RNDDH même li ta fait connaître dans rapport si là. En plus, sans li montrer gagné 64 femmes et avec 10 filles, yo même qui rivé victime avec zak violence, yo même yo fait cas de Jacques sou yo et gagné tout yon question de yon série de moun qui victime collectivement concernant en pile attaque qui fait dans pays d'Haïti dans rapport ça sorti en janvier pour arriver dans mois de mars qui c'est premier trimestre dans année 2024 là gagné 83 espaces ou même qui endommagé donc gagné institution privée tant que public yo même qui rivé victime et gagné 3 l'hôpital gagné 2 tribunal de paix et gagné 19 postes de police qui rivé pillé mais parmi là-dedans yo gagné commissariat bon pour lui-même qui était rivé victime commissariat Port-à-Léogane ensemble avec poste de police dans marché Salomon qui trouvait directement dans rue Kouakou et bloc avenue Magloire Amboise. Situation toujours compliquée presque tout côté amis internautes gagné installation conseil là malgré nous te fait à parler de lui-même jusqu'à présent qui trouvait dans difficulté pour que au même yo capable installer dans pays d'Haïti. Gagné premier ministre israélien japonais qui c'est Fumio Kishida lui-même côté que et président Joe Biden a te recevoir là ensemble avec en pile empressement hier lui-même jeudi a li prend la parole devant Congrès américain et dans cadre trois pays si c'est États-Unis, Japon ensemble avec Philippines et en présence tout Ferdinand Marcos Jr. lui-même qui montrait comment que pays États-Unis comment qu'il va le dégager capable faire toute sa grande de yo pour capable développer un grand partenariat entre le Japon ensemble avec un pays États-Unis et surtout Ukraine tout les mêmes t'a supposé pencher sur lui pour comment qu'il capable va porter toute attention ensemble avec lui avec un divers l'autre gros déclaration que premier ministre japonais qui c'est Fumio Kishida fait dans pays États-Unis gagne un dîner d'or un dîner d'état côté qui te gagne en deux grandes autorités ça yo Joe Biden ensemble avec Fumio Kishida qui c'est premier ministre japonais. Yon l'autre côté gagne dans Moyen-Orient gagne Israélo Hamas là gagne après yon attaque Israël a te fait dans Gaza côté qui gagne leader suprême Hamas c'est Ismaïl Haniyeh qui gagne trois petits garçons qui rivé victime ensemble avec quatre petits li et après que gros attaque ça lui-même li vinn fait Israël a mandé pour que capable gagne un cessez-le feu comme quoi que pour ta part à gagner aucun problème encore mais malgré dans un premier temps on t'a déclaré après Washington et Nations Unies mandé pour capable gagner un cessez-le feu et la met Israël là et surtout premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu qui t'a déclaré tout autant pas gagné, yo pas fin fait tout ça qui dépend de yo pour que capable et bien exterminer tout habitant Hamas dans Gaza et bien que ça il pas jamais camper mais puisque c'est ainsi yo déclaré capable gagné yo cessez le feu et gagné habitant Hamas yo même dans Gaza yo déclaré ça querello cessez le feu Israël lui-même l'immondial lui-même il pas fait répondre aucune condition non Hamas. Gagné madame mademoiselle et messieurs footballeur américain qui c'est OJ Simpson qui rivé mourir je dis à l'âge de 76 ans avec un cancer lui-même il t'a supporté après un bon bout de temps et ben il rivé fait voile pour payer son chapeau lui aller dans la vie de l'au-delà et bien on a demandé dit là que paix à son âme qui n'amené capable reposer en paix et que tout temps Américain yo qui trouvé soit dans pays États-Unis ou du moins ça dans l'autre côté yo capable toujours penser ensemble avec lui comme un monde qui te connaît rend dans pays États-Unis gros service li devant et tout l'autre yo derrière. Sami internautes c'est divers points ça yo que nous t'est arrivé présenter en jeudi à nous qui tout ensemble avec la voix de l'Amérique pour plus détails avec plusieurs reportages. Jeudi 11 avril 2024, moi c'est Jacques Lavelizer. Quelques grands points cap dominé actualité.
Actualité à concernant pays d'Haïti, installation conseil présidentiel transition toujours dans impasse pendant condition la vie population continue à détériorer. Ici aux États-Unis, Premier ministre japonais Fumio Kishida prend la parole devant Congrès américain dans quatre sommets entre trois pays, États-Unis, Japon et Philippines, avec présence Ferdinand Marcos Jr. Dans Moyen-Orient, guerre Israélo-Hamas, leader suprême Hamas là, Ismaïl Haniyeh, dit proposition Israël pour un cessez-le-feu pas répondre à aucune condition Hamas. Et puis ici aux États-Unis, ancien footballeur Zepol Carré noir américain O.J. Simpson mourit avec un cancer, il était gagné 76 ans. Oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous pourrons développer pour dans yon petit moment mais gros point cap dominer actualité assez ça cap passé dans pays d'Haïti a c'est dossier pays d'Haïti qui tout partout ici aux États-Unis dans forum dans panel discussion c'est comme ça et ben assistant secrétaire d'État américain et Brian Nichols c'était participé dans un forum sur situation en Haïti dans New York un forum qui était réuni entre autres Monique Kleska et Gary Pierre-Pierre dans un panel discussion un reportage Valérie lui depuis New York. Création d'un conseil transition qui est responsable pour choisir prochain leader Haïti imminent. C'est un sujet qui t'a débattu hier mercredi pendant un forum qui t'a déroulé sous crise tête chargée ça qui a bouleversé Haïti. Débat était très chauffé pendant forum ça. Brian Nichols, assistant secrétaire d'État américain pour affaires hémisphère l'Ouest là, t'a dit que conseil neuf membres t'a qu'à formellement installé en Haïti pas plus tard que semaine ça. Il était parlé comme ça pendant événement forum ça dans New York qui était organisé par Conseil relations affaires étrangères. Officiel lui envie ouais conseil là en place pendant que Haïti dans la troublaille en bas un vide dans pouvoir à premier ministre là qui bloqué de yo pays a et pays a lui même qui souffre en bas violence gang yo qui presque fin tout fait capitale Port-au-Prince là avec zone qui entoure lui violence gang yo forcé plus passer 53 000 monde sauver quitter zone côté autorité a dans semaine qui saute passé là principal port maritime yo ak aéroport Haïti yo rete fermé ça qui coupé aide important ça qui t'a supposé rentrer dans pays a et expert yo averti que grand goût ak maladie a augmenté dans pays a Brian Nichols t'a dit pendant fou on que m'a cité pas gain pire crise humanitaire dans monde aujourd'hui passé ça qui a passé en Haïti gang yo t'ai commencé à attaquer institution principale à travers Port-au-Prince depuis date 29 février yo t'ai ouvert coup de zame sous principal aéroport international pays qui était fermé et puis yo t'ai attaqué commissariat la police et depuis gros prison dans pays à côté que yo t'ai libéré plus passé 4000 prisonniers Nations Unies avec bureau droit monde qualifié situation Haïti de catastrophique il fait remarquer que plus passé 1550 monde t'ai mouri avec plus passé 800 blessés dans fin mois mars là. Création conseil transition qui pral gen 7 membres qui gen pouvoir pour voter pour choisir prochain premier ministre là à cabinet en Haïti pas suffit pour résoudre immédiatement problème qui gen en pile racine dans pays a. Brian Nichols s'est dit pendant forum que c'est pas seul bagay ça qui nécessaire pour résoudre problème pays a. Pendant forum ça qui duré une heure temps madame Monique Kleska qui dit même t'ai participé tout qui c'est un écrivain haïtien et qui membre groupe Montana t'es critiqué Brian Nichols parce que t'es supporté premier ministre Ariel Henry. Il t'a accusé Brian Nichols comme quoi il est incompétent et il est responsable condition ça qui fait que le pays a vint détérioré. Panelis qui t'a participé dans le forum dans New York t'a demandé pour qui ça gang qui contrôle 80% de Port-au-Prince yo, yo pas de participer dans négociation ou soit dans création conseil transition. Brian Nichols te répond pour dire qu'il y a un dialogue large inclusif parmi tout secteur dans la société a. C'est certainement yo bagay qui vaut la peine pour nous garder. Mais il te dit tout que yo pas qu'à mettre intérêt gang yo devant intérêt citoyen ordinaire qui yo même respecter la loi. Brian Nichols te dit que yo besoin solution qui visait vraie raison pour qui ça moun entrer dans gang yo en premier. Il te dit faut que accès à éducation, à opportunité de travail, à programme formation. Bon côté parle Monique Kleska a ajouté que gain besoin pour changer identité sociale mounio faut que concentrer plus sur l'école et travail. Gary Pierre-Pierre lui-même tout qui t'a participé dans forum ça, il était sous panel dans tout, fondateur journal nouvelle sur internet de Haitian Times qui basé dans Brooklyn, t'a déclaré lui-même que politiciens haïtiens yo ak élite pays a appuyé gang yo en cachette depuis longtemps pour servir intérêt pa yo. Il était plein dit que officiel yo pas consulté ni parlé à diaspora haïtienne en mitan crise là. Gary Pierre-Pierre t'est fini pour dire que sécurité c'est un problème à court terme que nous avons fait face avec lui. Mais rassembler société haïtienne, ça a pris lieu des filles réelles. Panélistes ont discuté dans le forum ça sur la situation économique et politique qui a augmenté en Haïti. Ils ont été concentrés sur la crise humanitaire et façon de déstabilisation pays capable d'affecter région et peuple haïtien qui ni en Haïti ni à travers la diaspora. Ils ont discuté tout sur options politiques qui gagnent pour aider à résoudre la crise et stabiliser la nation. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Parlant de
et programme alimentaire, discussion qui gagne sous situation dans le pays d'Haïti, problème gangou. Et bien, d'après le programme alimentaire mondial PAM, violence plongée, pays a dans un grand goût qui exagéré. Gentil Augustin Junior. D'après le programme alimentaire mondial PAM, violence l'a plongé Haïti dans un niveau grand goût exagéré. Moi dans Port-au-Prince côté depuis la fin mois février gain violence. Violence ça la cause gros déplacement. Li la cause l'école fermée, espace travail fermé et puis n'a fait face à qui une crise humanitaire. Kounye ya pam ap chercher bay population qui déplacé yo aide manger. Nous té rivé bay entre 20 à 30 000 repas chauds chaque jour. Problème violence cap saccagé Haïti ya côté gang armé yo bloqué capital la Port-au-Prince côté majorité activité économique Haïti concentré ça qui vinn empêcher marchandises circuler libre et libre côté port yo fermé ça vinn empêcher population joindre manger si tout ti moun yo Evni Joseph yon commerçant tap expliquer importance manger gagner pour ti moun yo manger a fait pile bagay pour ti moun yo parce que gè ti moun ki vinn la yo pa gen tan manger kay pa yo l'école la prend bonheur y a pressé vini yo pa gèt an manger manger a fait en pile pour ti moun yo et pour parents yo tout gèle les ti moun yo laisser seulement manger ça yo manger ça veut yo rete gè parfois ou pa gen possibilité pour faire manger ba ti moun yo Katia Joseph yon commerçant t'ap expliquer comment situation pays a cap empire chaque jour la cause li pa ka voye ti moun yo l'école ni joine manger pour ba yo à cause la vie chère cap augmenter chaque jour on ti pe plus ou moins de mes événements de la pas faire marcher ensemble avec si moun pa ka manger pa ka aller l'école concernant de marchandises cap monter puis a augmenter et puis pa prendre du temps pour augmenter les augmenter selon programme alimentaire mondial PAM violence cap augmenter yo affecté marché yo commerce moyen pour moun vivre et puis couper ville là ak res Haïti ça qui la cause grand goua rive nan yon niveau qui dépasse limite pour population haïtienne. Gentil Augustin Junior VOA Creole Washington. Ça c'est crise alimentaire mais qui collait ou bien qui c'est conséquence même crise politique là dans pays d'Haïti surtout avec conseil présidentiel de transition qui poko ka installé. N'a bien pour nous retourner sur sujet ça dans pays d'Haïti ou bien sur actualité dans pays d'Haïti. Konya nous n'a retourner ici à Washington côté que Premier ministre japonais Fumio Kishida il prend la parole devant Congrès dans cadre du sommet qui réunit États-Unis et Philippines avec Japon. Sandra Lemaire. Premier ministre japonais Fumio Kishida fait un discours devant Congrès États-Unis hein, jeudi dans Washington, côté demandé parlementaire pour considérer importance engagement mondial dans une époque côté tension yo monté en pile dans région Asie Pacifique là. En pile même Congrès a posé question pour connait si États-Unis ta doué fouye bouche li dans toute sa capacité dans l'autre pays. Defense of freedom, democracy, and the rule of law is the national interest of Japan. L'idée de défendre liberté, démocratie et la loi, c'est un bagage qui dans l'intérêt national Japon. Le peuple japonais prend engagement total vis-à-vis du principe ça. Nous ne pouvons pas quitter derrière pour Timounio, une société côté au supprimé droit monde, côté monde pas qu'à décider qui est ce qu'a gouverné, et côté technologie digitale à contrôler toute sa affaire. Moi, connais, nous ne pouvons pas ça non plus. Monitored by digital technology. I know you don't either. Kishida a visité Washington semaine ça, côté li fache attendé avec président Joe Biden dans la Maison Blanche. États-Unis accueilli la Kaili, toutes les deux salirele croix de la Carrea, qui c'est une association qui pas officielle entre États-Unis, Japon, Australie et Inde. Ils ont considéré important pour contrer puissance militaire la Chine qui a augmenté nos régions. Pendant ce temps, Kishida dit conflit ukrainien pral gagner dans l'avenir, conséquences qui rivaient loin. Kishida dit parlementaire américain au Japon pour continuer camper bon côté Ukraine. Déclaration ça yo t'est soulevé en pile bravo pour côté plus fort parlementaire qui t'est levé camper pour montrer approbation yo. Cependant, gagne un groupe conservateur les duo qui t'est resté chita yo même.
gain l'autre parlementaire qui pas assisté discours qui donc c'est employé qui travaille pour yo qui te chita dans siège yo pendant discours Kishida t'a insisté sous valeur engagement États-Unis prend pour sécurité monde là et puis il bail assurance que Japon représenté un partenaire puissant pour États-Unis. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. N'a pas rappelé que Premier ministre japonais Fumio Kishida a visité Washington dans le même moment tout gagné président pays Philippines Ferdinand Marcos Jr. qui l'a tout dans cadre influence Indo-Pacifique. Là, nous parlons dans la région Moyen-Orient. Militants Hamas pas d'accord avec proposition cessez-le-feu Israël fait malgré soldats israéliens yo tué 3 petites lits à 4 autres petites petites lits. Jean-Robert Philippe dit nous décision s'assembler prend malgré États-Unis a pas encouragé leader Hamas pour eux-mêmes pour accepter proposition Jean-Robert mais gain mes ententes bagala pour clair. Effectivement je dis à qu'un pour clair et l'en mort 3 petits garçons et leader Hamas là avec petite petite lit autour vient compliquer situation ça dans même moment que États-Unis a fait effort pour et encourager et Hamas pour l'accepter proposition mais son proposition que d'après Hamas qui va marcher ensemble en tout temps et premier ministre israélien dit lui-même et guerre a fait contre Hamas là a continuer sans garde pendant que l'a préparé tout pour le temps en cas que l'Iran lui-même a préparé dans sa queue a préparé une attaque contre Israël. Leader groupe militant Hamas Ismaël Haniyeh déclaré attaque soldats israéliens au fait dans territoire Gaza côté retour 3 petits garçons li avec 4 petites petites li pas affecté conditions disposées pour cesser le feu. Attaque Israël sur machine qui t'a transporté victimes yo rivé dans moment administration Biden nan mandé Hamas pour l'accepter dernier proposition cesser le feu temporaire. We're not going to stop until we do. The new proposal on the table. President Joe Biden, qui t'a accueilli Premier ministre japonais Fumio Kishida, a déclaré non pas camper jusqu'à ce qu'il nous réussisse. Nouveau proposition qui sous table là, c'est grâce avec Jeffrey Bill Burns, ballon en pied Hamas. Yo doit avancer avec proposition nous fait yo. Nous doit retourner otage la caillo, bay famille, mais tout joindre une autre s'il feu 6 semaines. Hamas fait connaître après analyse, proposition Israël n'a pas satisfait aucun dans demande à Masfeyo. Média israélien rapporté pour le ministre Benjamin Netanyahu, ensemble avec le ministère de la Défense, Yoav Galant, pas au courant de l'opération que l'armée avec service renseignement a coordonné. Nouvelle rapportée, il a visé 3 petits garçons leaders à Masla comme combattants et non parce que ces petits garçons leaders politiques à Masla. Victimes, ils ont visité famille dans un camp dans Cisjordanie. Les militaires israéliens ont bombardé machines qui ont transporté. Pendant ce temps, les militaires français ont lagué 10 tonnes d'assistance humanitaire dans le territoire Gaza, mercredi 10 avril, là, en coordination avec Jordanie. Président français Emmanuel Macron a demandé un cessez-le-feu immédiat pour limiter les dégâts parmi les civils dans le territoire Gaza avec libération de tout otage. Bon départ, porte-parole de l'armée israélienne, vice-amiral Daniel Agari, déclaré assistance sur rentrée dans le territoire plus rapide, jeudi, après pression pour faciliter l'accès pendant que les Nations Unies fait connaître. Quantité d'assistance là toujours pas suffit, comparé avec la quantité nécessaire pour satisfaire la demande humanitaire. Porte-parole de l'armée israélienne, qui a parlé de un nouveau passage dans le nord Gaza, déclaré qu'il y a 58 camions qui ont passé dans la zone après décision cabinet à prendre pour le travail avec partenaires internationaux pour permettre plus d'assistance sortir dans le port Ashdod là pour entrer dans le territoire Gaza. Famille leader Hamas l'a dit, il a continué à prier pour petit garçon leader mouvement résistance islamique Hamas. Benjamin Netanyahu déclaré jeudi 11 avril la guerre a continué dans le territoire Gaza sans camper. Pendant la préparer l'autre plan, dans le moment, il y a un cas sauté, comme quoi Iran a préparé pour attaquer Israël comme réponse pour la mort un général et 6 officiers militaires iraniens. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Nous avons toujours dans l'actualité internationale là, après OEA, c'était tout par Nations Unies pour recevoir dossier conflit Mexique-Équateur en Alouapisbré.
Conflit diplomatique entre Mexique et Équateur continue à présenter nouveaux développements. Après réunion qui était déroulée hier mercredi 10 avril là dans siège organisation État américain à Washington, jeudi à Mexique présenté une plainte contre Équateur devant Cour internationale justice là qui c'est plus grosse instance dans Nations Unies pour descendre des liens policiers étaient faits dans ambassade Mexique dans Quito pour arrêter ancien vice-président équatorien Jorge Glass. Incident ça qui la cause rupture relations diplomatiques entre deux pays. Alejandro Celorio, c'est consultant dans le ministère Affaires étrangères pays Mexique. Je dis à moi fier pour me déposer une requête devant Cour internationale justice là. Demain ça a visé pour Nations Unies suspendre Équateur dans l'ONU jusqu'à ce que l'y fait excuse pour yon bagay qu'on ça pas jamais fait dans la région hein, même l'autre côté d'après Andrés López Obrador président Mexique. Para este de la denuncia. Que ça pas jamais répété encore dans aucun pays sous la terre. Que droit international garantit que en cette n'importe qui ambassade dans le monde était un espace inviolable. Monsieur Obrador de tout profiter dans conférence de presse pour remercier Tokay américain Joe Biden de ce qu'il condamné ça qui passé dans ambassade pays dans Quito. D'après les mexicains, première réaction Washington yo dans premier moment était tiède, vague sans force et il dit position conseiller la Maison Blanche, la palette de Jack Sullivan était clair et la tant de même réaction bon côté Canada. Il y a plusieurs autres pays qui condamnaient Zaksa qui passait dans ambassade pays Mexique dans Quito, tant que Brésil, Venezuela, Chili, Argentine, Espagne semblait Union européenne. Conflit diplomatique ça a été pris naissance 5 avril passé à les policiers étaient entrés avec fracas dans ambassade Mexique dans Quito pour arrêter ancien vice-président équatorien Jorge Glass pour problème lié avec la justice pour magouille et malversation. Équateur mentionné devant OEA que yon moun qui gen problème avec la justice pas de bénéficier asile dans yon ambassade. Ou souvé ou akreol, ou ap suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité à dans pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer ou pas oublier nous gagnons un programme qui passait à 12h30 qui est le sac passé Haïti et au capable tout et consulter toute page nous yo sous internet là et puis actualité dans pays d'Haïti réseau national cap défendre droit moun dans pays a RNDDH recensé pour pipiti 208 moun qui t'a mouri assassiné pour seulement 3 premiers mois dans l'année 2024, la soit mois janvier pour arriver mois de mars là. Détail avec Massiado Vilme depuis Port-au-Prince. Dans un rapport organisation publié à mardi 10 avril 2024 là, fait connait situation droit moun dans pays a catastrophique en pile pour premier trimestre année 2024 là. Madame Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans RNDDH. RNDDH recense sorti janvier donc pour arriver mars 2024 pour pipiti 208 moun qui mouri assassiné parmi yo 13 policiers et dans 208 moun sa yo qui victime yo gagné cadavre 55 c'est population Port-au-Prince Delma avec Pétionville qui t'est levé découvrir yo. Nous recensé pour pipiti 5 attaques armées qui fait dans pays a dans Bedè, dans Croix des Bouquets, dans Belè, dans La Saline, dans Pernier et dans Gantier. Même dans RNDDH nous pas gain mécanisme pour nous capable contrôler tout cas d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon yo. Cependant nous quand même attirer attention l'opinion publique dans rapport ça que pour pipiti 48 t'est défrayé la chronique. Nous recensons tout 9 manifestations anti-gouvernementales qui étaient faites dans le pays, particulièrement en janvier et en février 2024. Côté 4 manifestants mourus, il y a 15 personnes qui sont blessées par balle, parmi eux 8 journalistes. Et il y a tout 3 autres journalistes que nous recensons qui sont victimes d'insécurité, mais dans des circonstances différentes. Nous recensons 83 institutions, entreprises privées, publiques, qui attaquaient, vandalisaient ou bien incendiaient dans Port-au-Prince, dans des communes avoisinantes, mais tout dans quelques départements géographiques pays qui sont autres que le département de l'Ouest. Là. Parmi eux, 19 postes de police. Il y a tout 5 tribunaux de paix. Il y a un tribunal de première instance. Nous recensons justement un pile caille qui était pillé avant que bandi yo boule yo, particulièrement dans Port-au-Prince avec Nandelma et Nandelma c'est surtout au niveau de Badelma. Sorti janvier pour arriver mars 2024, gagné pour pipiti 2 évasions de prison qui enregistré particulièrement dans Port-au-Prince avec dans Croix des Bouquets, des évasions qui étaient très spectaculaires. Gagné une évasion dans un commissariat Delma 33 qui est enregistré avec une tentative d'évasion de prison qui est enregistré au niveau de prison civile Jacmel. Cependant, je
jodi a autorité pénitentiaire pour qu'on dise nous rien sous évasion ça yo alors que yo connaît que population attend bilan évasion ça yo. Pour éviter situation cela déboucher sur une crise humanitaire sans pareil, responsable yo fait conseil présidentiel transition cap gen pour installer dans tête pays à diverses recommandations. Automatiquement que li entre en fonction, opérer des changements dans chaîne sécurité pays a. Deuxièmement, nous clairement mandé li pour li limoger directeur général police nationale la France LB pour incompétence caractérisée. Nous demandons pour rétablir conditions adéquates de sécurité pour permettre de déplacer yo, retourner la caille, déplacer de l'insécurité. Toutefois, force de l'ordre continue à multiplier les efforts pour contrecarrer action gang yo par boycott. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Pendant ce temps, nous avons dit dans le commencement du programme, le Conseil présidentiel de transition a continué à attendre le gouvernement démissionnaire pour entrer en fonction. Pendant ce temps, nous avons une coalition politique qui a fait pression sous l'équipe gouvernementale pour publier nos 9 personnalités qui pourraient faire partie du Conseil présidentiel. Et détail avec Ouena Toussaint, depuis Port-au-Prince. Un point qui a fait l'actualité politique en Haïti depuis plusieurs jours. Ces questions qui ont rapport à la démarche mise en place Conseil présidentiel de transition avec l'autre groupe qui continue à réclamer choix et un juge Cour cassation pour capable assurer présidence provisoire pays. Ancien député Ulrich Saint-Cyr, leader d'une coalition politique, mouvement patriotique pour la vie, Mopal, une structure juridique qui regroupait plus passé une cinquantaine d'organisations sociopolitiques à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti, dénoncer le fait que le gouvernement démissionnait Ariel Henry pour qu'on voulait publier dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non 9 personnalités qui font partie du Conseil présidentiel transition. Li lancé un ultimatum by messieurs dames, équipe démissionnaire. Nous baillons le gouvernement ça qui est en place là, fin semaine ça pour finir avec la question de la 3 ça. Et si vous ne prenez pas main, le peuple haïtien, après résoudre problème dans l'autre gens. Bon côté parle maître Liez Edouard, ancien bâtonnier l'ordre avocat Barreau Miragouane, conseiller CSPJ et actuel secrétaire exécutif Mopal, plaidait en faveur ouverture à corps politique qui déjà signé en différentes structures qui voyaient représentant le conseil présidentiel transition. C'est pas le peuple qui a choisi le conseil présidentiel là. C'est pas le peuple qui choisit organes de contrôle là, eh bien, il y a une façon pour nous permettre que la population arrive à porter sa cap, n'a pas défendre, il faut que y ait une ouverture qui fait. C'est pour nous, dans tout département, dans toute commune, mais dans deux sections communales, arriver à avoir un représentant dans sa cap fait là. Pendant ce temps, il y a l'autre secteur qui continue à exiger choix et un juge Cour cassation pour capable assurer présidence provisoire paysan pour résoudre crise politique là. Nous avons cité comme exemple Congrès Wanamet, Parti politique l'autre démocratique et innovation à divers lots. Ouena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis devant situation sécuritaire là qui pas améliorée, gouvernement reconduit couvre-feu à nous avons Yves Manuel dans Port-au-Prince. Dans l'idée pour établir l'ordre et prendre mesures appropriées pour reprendre contrôle de la situation, le gouvernement prolongé couvre-feu sur tout territoire national là, sorti mercredi 10 avril pour arriver mercredi 17 avril 2024 entre 7h10 soir pour arriver 6h du matin selon un communiqué gouvernement mettait dehors équipe gouvernementale qui basé sur article 3 avril 2024 qui instaurait état d'urgence sur tout département l'Ouest-Lan pour une période de 1 mois pendant état d'urgence toute manifestation sur voie publique là interdit la journée ou la nuit dans département l'Ouest. Li rappelé force l'audio recevoir l'ordre pour utiliser tout moyen légal à disposition dans l'idée pour faire respecter couvre-feu et arrêter tout contrevenant. Comme 11 arrêtés qui prennent déjà yo, mais ça pas applicable à agents force publique yo qui en service, pompiers, ambulanciers, personnel santé et journalistes qui identifiés. Premier communiqué a été pris un jour après attaque qui était faite contre deux principales prisons dans le pays, côté près de 5000 détenus sauvés dans la prison Sayo. Gouvernement a décrété état d'urgence à couvre-feu sur le département de l'Ouest dimanche 3 mars 2024 dans la soirée. Depuis, l'ESA, décision renouvelée presque chaque 3 jours.
malgré couvre-feu hein prend pour rétablir l'ordre et prend mesures appropriées pour reprendre contrôle situation Kaoa installé pour la plus belle dans niveau zone métropolitaine gang coalition vivant ensemble continue à simer la trouble population à vivre un véritable enfer chaque jour plus moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour Véroa Créole. Merci Yves Manuel. Donc situation toujours été compliquée dans le pays d'Haïti avec problème de sécurité, crise alimentaire que nous capable s'entendre là et puis avec tout gon plusieurs et activités qu'a fait sur Haïti, débat qu'a fait tant que nous s'entendre là, té gen panel discussion dans New York, gen en pile l'autre encore qu'a fait. Donc n'a pas essayé au maximum joignio pour nous capable gen position diaspora sur ça qu'a passé dans pays d'Haïti. Et puis ici aux États-Unis, eh ben célèbre joueur football Zepol Carré ou Jay Simpson mouri hier mercredi après une bataille avec maladie cancer. Serge Rodriguez a dit nous plus sur dossier ça. Ancien footballeur Zepol Carré noir américain OJ Simpson mouri hier mercredi 10 avril là après un combat avec maladie cancer. Qui est OJ Simpson exactement et surtout qui ça l'était représenté dans la culture états-unienne? Eh bien, c'était un personnage que mon pas de ignoré et que la justice t'a acquitté en 1995 comme non coupable dans la mort ancien madame Arielle. Verdict là t'a provoqué gros palais en pile, il était tombé dans la société états-unienne comme un coup de l'oreille dans un ciel paisible. Malgré il était échappé sans un grafouillen dans un jugement pour assassinat madame américaine Blanche Nicole Brown Simpson, la ville était commencé à tomber en dégraba et il pas jamais capable de retourner dans place premier superstar noir ici aux États-Unis. Oriental James Simpson, c'est un complet ancien footballeur de Paul Carrea, et bien il était fait dans la ville San Francisco le 9 juillet 1947. Maman était élevé sans papa parce que papa était abandonné, elle était gagné l'âge 5 ans seulement. Il était un petit genre rachitique dans la période d'enfance, mais ça n'a pas empêché de tourner un athlète, ça qui te permet de réaliser une carrière brillante dans la Ligue football de Paul Carrea qui donc NFL États-Unis. Il était pris un trophée joueur de l'année en 1973 dans l'époque qu'il a joué dans l'équipe Buffalo Bills. C'est un homme qui était séduisant, charismatique, qui a été bâti dans le joueur de Juice, qui donc joue en créole à cause initiale OJA, qui s'est abrégé pour Orange Juice en anglais. Avant même de quitter carrière football américain, il était entré dans l'industrie cinéma Hollywood là, et spécialement dans la série film cinéma Racine qui donc route, qui était paraît en 1977. Présence naturelle sous écran a été mené dans une carrière commentateur sportif. Il était marié avec Nicole Brown en 1985, dans deuxième noce. Et d'amener à te faire deux petites poulets. Assassinat et Madame Arielle a été venu replacer lui en bas lumière actualité comme principal suspect dans sa monde est considéré comme procès qui était plus spectaculaire et qui était allé plus monde dans le 20e siècle ici aux États-Unis. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Ou toujours sur VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtienne, nous presque arrivé dans bout programme là, rete branché. Et oui, nous pratiquement arrivé dans fin programme là, gros nouvelle là c'est premier ministre japonais Fumio Kishida qui lui-même a visité les États-Unis et il gagne tout collègue lui en parlant de président philippinien Fernando Marcos Jr. C'est un coup yon sommet avec trois pays ça yo les États-Unis, Philippines avec Japon cap déroulé là et nous souhaitons que premier ministre japonais prend la parole devant congrès qui sont gros exercice que lui. Donc pour dans pays d'Haïti, un ben conseil présidentiel de transition qui toujours dans passage pour qu'on qu'il est capable d'installer parce que grand pile réserve légale et technique qui a fait sous lui. Nous disons merci d'est-ce que une autre fois encore tu fais nous confiance. Merci d'est-ce que ou t'es accepté que des fois pas oublier nous gagner toutes l'autre plateforme nous qu'on capable utiliser pour capable gagner dernier bonne nouvelle qu'on fait confiance. Nous dit Elena merci, zami nous, Rob McLean et puis semblier gentil Augustin Junior avec Jean-Marc Hervé Abella et puis toute l'autre équipe là. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir.